J'ai vu que M. Macron a souhaité un joyeux Noël aux chrétiens d'Orient. Vous savez, les chrétiens d'Orient, donc les Palestiniens chrétiens aussi, en font partie, puisqu'ils sont en Orient. Et donc, il n'y a pas longtemps, là, il y a des monastères qui ont été bombardés, il y a deux femmes qui ont été tuées dans une église, d'accord, ou à proximité. Donc voilà, est-ce que tu leur souhaites un joyeux Noël à eux aussi? Non, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie, sérieux? Mais qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Vous êtes là, en fait, vous soutenez le bourreau. Aujourd'hui, j'ai pas dit encore une fois qu'Israël ne fallait pas qu'elle se défende, je sais pas quoi. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Faut juste voir ce qui se passe sur place, quoi. Et après, venez, oui, on souhaite un joyeux Noël aux chrétiens d'Orient. À qui tu souhaites un joyeux Noël? Aux Arméniens que vous avez lâchement abandonnés? À qui? Aux chrétiens d'Irak? Aux chrétiens de Syrie? À qui? À qui vous souhaitez un joyeux Noël, en fait? Aux chrétiens du Liban? Aux chrétiens d'Égypte? À qui, en fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Et donc là, les Palestiniens sont en train de se faire déglinguer, et y compris les chrétiens, à qui vous souhaitez un joyeux Noël? Non, mais vous vous rendez compte? Où est-ce qu'on en est arrivé au niveau du cynisme? C'est incroyable.